éclate. C'est béni le papier, chaque projet enchanté. Pile ou scrap, ensemble on va tout transformer. Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la boutique de Stephen Scrap. Comme vous le savez, je suis en partenariat avec sa boutique que j'adore. J'arrête pas de le dire, mais j'adore sa boutique, il y a des magnifiques produits. Et du coup, voilà, elle m'a envoyé encore des produits de Noël. Donc, je vais vous les présenter dans les tons bleus. La dernière fois, c'était vert. La fois d'avant, je crois que c'était dans les marrons et tout ça. Et du coup, là, on va découvrir la nouvelle collection ensemble. Je tiens à vous rappeler que j'ai un code promo de 10% sur sa boutique qui n'est pas valable sur le calendrier de l'Avent, je tiens à le signaler. Il lui en reste quelques-uns, donc n'hésitez pas. Je pense que je vais peut-être même m'en prendre un, peut-être. J'en ai jamais fait encore sur ma chaîne, mais pourquoi pas? Why not, hein? Donc, du coup, voilà. Je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Il y a des consommables. Pour le coup, pour une fois, il y a des consommables. Et du coup, vous allez pouvoir découvrir ce qu'elle m'a envoyé. Allez, je vous passe sur mes mains. À tout de suite. Je vous positionne correctement. C'est bon. Du coup, alors, dans un premier temps, elle m'a envoyé du double face. Donc, un rouge et un blanc. D'accord? Alors, c'est... Il y a 13 mètres, c'est quand même pas mal, hein, sur des 3 mm. Donc, vous voyez, c'est extrêmement fin. J'adore, moi, quand vous avez des petits trucs tout fins, comme sur les die cuts. Là, j'en ai monté un, par exemple. Là, vous voyez, vous avez des trucs, c'est tout fin. Pour mettre là-dessus, c'est top. Et du coup, voilà. Du coup, celui-ci, c'est le blanc. Je vais le sortir en vérité parce que moi, le double face, j'aime bien les utiliser. Donc, c'est de la marque. Est-ce qu'il y a une marque là-dessus? Je vois pas grand-chose. Hobby and Crafting Fun. Donc, 3 mm par 13 mètres. Voilà. Donc... Comme vous voyez, il est extrêmement fin. Est-ce qu'il y a une ouverture quelque part? Là. Vous voyez, c'est super fin. C'est vraiment pratique. Vous voyez? Et du coup, vous prenez une petite pointe comme ceci pour enlever la pellicule et ça va tout seul. Ça va tout seul. Donc, voilà, 13 mètres de 3 mm en blanc. Et ici, de la marque... je ne sais pas s'il y a une marque, d'ailleurs. Extra Tignana. Il n'y a pas de marque, j'ai l'impression. Mais c'est du double face en rouge. Pareil, alors ça, c'est une efficacité. Une fois que vous avez mis ce genre de double face, vos produits ne bougent plus. Pas comme je vais pas cracher sur le double face de chez Action. C'est pas le but parce que moi j'en achète toujours. La seule chose c'est que je le double avec de la colle. Donc parce que je sais que dans le temps ça ne tiendra pas. Donc par contre celui-là. Et celui-ci, il va pas y avoir de problème. Je ne sais que, ben voilà, hein, quand vous mettez un tout petit peu le prix dans votre double face, vous savez que ça ne bougera pas. Et là, pareil, vous voyez, c'est extrêmement fin. 3 mm. Hein. 3 mm, je vous ai dit 3 mm, mais je vous ai pas dit combien. 10 mètres. 10 mètres au total sur 3 mm. Donc, franchement, ça, trop bien. Donc, ça va dans ma boîte ici où j'ai tous mes cols. Mes scotch, mes machins. Donc là, ça va dedans. Bon, ça, c'est un chargeur pour le pinceau à la colle chaude. Ce qui n'a absolument rien à voir. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Parce que je le laisse avec. Comme ça, au moins, je suis pas, j'ai pas de problème. Ensuite, elle m'a envoyé ceci. Alors, ça, c'est enlevé. De la marque Docraft. Alors, 2025 calendar tab. Donc... Il y a 10 pièces. Donc ça, c'est top aussi. Pour faire des calendriers.
pour faire des petits cadeaux. Vous voyez, janvier, vous avez encore janvier là. Vous avez 10 calendriers au total. Donc, et ils sont collés les uns aux autres. Vous voyez, c'est vachement pratique. Vous voyez, hop. Hop. Et ça se décode comme ça. Vous savez, un peu comme les post-it. Et c'est vraiment bien. Pour faire un calendrier, ça va être topissime. Pour faire des calendriers, ça va être top. Donc, voilà. Donc, là, il y a 10 pièces. 10 pièces. Pour faire un petit truc, hein, pas à chevaler, mais j'avais fait une fois avec un tuto, j'avais suivi un tuto sur internet, ça faisait comme une avec comme des boîtes, ça faisait un carré, et vous mettiez un chevalet par-dessus avec votre calendrier que vous décoriez, et dans les petits la boîte, hein, vous faisiez des petits tiroirs pour pouvoir mettre, ben je sais pas, de la fin de vous enlevez ça, vous le mettez dedans et terminé, ou alors poubelle, quoi, j'en sais rien, c'est comme vous le sentez. Et ça peut être sympa. On fera certainement des tutos, donc je vais les mettre aussi avec mon truc à colle, comme ça je saurai où c'est et je pourrai faire une création. Ensuite, vous avez un ciseau de précision de la marque Hobby and Crafting. Encore c'est trop mignon, en plus c'est tout fin. Moi je vais voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai des die cuts dans le coin? J'en ai un, mais c'est de la nouvelle collection, donc je vais pas le faire dessus. Ben attendez, vous savez, je vais voir ça comme ça. Non, pas là-dessus parce que ça n'a pas sens. Est-ce que j'ai un die cut dans le coin? J'ai pas. Si. Peut-être là. Ouais, mais ils sont déjà prédécoupés, ceux-là, donc ça n'a pas sens. On fera une carte avec des die cuts où il y a des bords blancs et tout. Et comme ça, je pourrais vous montrer l'utilité de ce ciseau de précision qui a l'air très pratique à utiliser. C'est dommage parce que j'ai déjà fait ma carte en 3D. Je vais préparer peut-être celle-là. Faut que j'enlève ça déjà. Alors moi, vous voyez, je suis vachement douée avec des ciseaux. Voilà. Alors, là, j'ai coupé le toit ici. Hop. Je prépare ma prochaine carte de Noël. Où je vais mettre du relief sur ma carte. Ah ouais, c'est bien. Hein. C'est vachement bien. Il y a peut-être un sens. Non, pas plus que ça. Donc, non, on est bien. Et puis là, pour faire le... Vous voyez, avec des ciseaux, ça, j'aurais galéré à le faire. J'ai enlevé le morceau de sapin qui dépasse. Parce que ça n'a pas sens, étant donné que je ne vais pas le mettre. Ouais, j'aime bien. Alors, je suis partie dans mon découpage. Il va falloir que j'arrête à un moment donné. Mais vous voyez, trop bien. Trop pratique. Impeccable. Donc, ça, j'adhère. J'adore. Donc, ça va aller là. Dans ma petite panière, à portée de main, que je puisse les retrouver, nickel. Voilà. Donc ça, je jette. Ensuite, oh, magnifique. Magnifique. Donc, vous avez ces tampons de la marque Clear Stamp de la collection Falling for Christmas. C'est Findit. De la marque Findit, vous savez, c'est la collection, les collections de papier qu'elle utilise beaucoup. Qu'elle a beaucoup sur sa boutique, que j'aime beaucoup. Donc là, vous avez un fauteuil avec un plaid, un sapin, une botte de Noël, un sapin de Noël, tout seul avec des boules. Franchement, il est magnifique. Voilà ce que ça donne à l'arrière.
Donc il y a deux sortes de tampons. Et donc le deuxième, c'est la maison, le chalet de Noël avec les deux beaux cadeaux qu'il y a là. C'est un embossage à chaud sur les paquets cadeaux. Ça va rendre super beau sur une carte. On fera ça. J'ai déjà rangé tout le premier trolley où justement j'ai remis tout ce qui était embossage à chaud ensemble. Et ça, franchement, ça va être topissime à embosser. Donc le dos, c'est ça. Donc c'est de la marque Findit, de la collection Falling for Christmas. Donc je présume que les deux albums qu'elle m'a mis de papier, ce sont de cette collection. Exactement. Donc du coup, voilà, ça va être super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. J'adhère, je suis fan absolu. Franchement, merci beaucoup. Ensuite, elle m'a mis ces deux blocs de papier. Donc là, Falling for Christmas, donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est la même collection. Comment dirais-je? Donc là, vous avez les papiers de fond pour le matage et ici, vous avez les papiers d'écran. Donc on va commencer par les papiers de fond. Vous voyez, un beau bleu marine. Là, c'est un bleu encore plus foncé que celui-ci, regardez. Vous voyez? Donc là, c'est un bleu, mais bien, 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 bien bleu marine. Ici, il est bleu marine, mais ça va, quoi. C'est un beau bleu marine aussi. Ici, un peu plus pâle. Là, vous avez encore un bleu plus clair, du vert. Derrière, vous avez un vert olive, marron, marron clair, beige, sable. Et reparti encore pour les mêmes couleurs. Vous avez deux fois le papier décor en deux fois. Et du coup, c'est une donc collection Findit, Falling for Christmas. C'est du 170 grammes, du 20,3 par 20,3. Franchement, et du coup, derrière, vous avez toute la collecte. Donc, de tout ce que vous pouvez trouver sur cette collection. Elle ne l'a pas forcément sur sa boutique, mais elle a quand même pas mal de choses sur la boutique. La preuve, c'est qu'elle a les deux tampons. Elle a le papier décor, le papier de matage. Elle a, à ce que j'ai vu, elle a des die-cuts 3D. Donc, c'est plutôt sympa, moi, je dirais. Voilà. Puis voilà, il y a les dies, mais je ne sais pas si elle a sur sa boutique. Je n'ai pas été voir, je vous avouerai. Ensuite, ici, vous avez le papier décor, pareil. 16 double sheets. Voilà. Deux embellissements de sheet, donc deux pages d'embellissement. Et voilà. Donc là, vous avez ça, ce papier-là. On dirait, ça fait comme une tomate, on dirait. Ça fait mignon. C'est mignon. Là, celui-ci est magnifique. Ça fait très vintage, mais dans les bleus, c'est super. Celui-là est très, très beau. Les chevrons dans ceci, je suis moins fan. Déjà, en plus, ça me fait mal aux yeux. Mais cette page-là, trop belle. Ça, c'est très, très joli aussi, avec des flocons. Mais alors, cette page-là, elle est encore plus belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Oh, celle-ci est très belle aussi. Là, vous avez ce genre de papier. Ça, j'adore. Une carte avec ce papier-là et ce papier-là. Vous voyez, ça va ressortir plutôt pas mal. Oh, celui-ci, il est encore plus beau. Et toutes les pages, elles sont canon. Et là, vous repartez à zéro. Et je crois que vous l'avez le double. Vous avez le jeu trois fois. Trois fois, vous avez le jeu de feuilles. Un, deux et trois. Voilà. Et à la fin, comme tout le temps dans ce genre de bloc de chez Findit, vous avez des mini tags. Vous voyez, pour découper avec le ciseau de précision, là. Sur les bords blancs, nickel. Et vous avez ceux-là. Mais il faut que je regarde si j'ai pas une perforatrice de la taille du cercle pour pouvoir les découper plus facilement. Mais j'adore ce papier par contre. Ouais, bah ça va, il y en a d'autres feuilles. Franchement, les daguettes sont très jolies. Hein. J'aime beaucoup. Et ici, vous avez des compléments de la collection avec des dots, du vélum. Des dies, encore des tampons clairs. Ici, vous avez des poudres embossées. La bleue, là, elle a l'air juste trop belle. Bleu et or, là, trop belle. Ici, alcool. Donc, c'est des encres alcool, tout simplement. Et puis, ben là, vous avez tout le reste de la collection. Ensuite, ça, je vous le montre en dernier parce que c'est hors collection. Ici,
Du coup, dans la même collection Falling for Christmas, vous avez les die cuts pré-découpés. Donc voilà, simplicité. Si vous n'êtes pas comme moi, vous allez bien vous en sortir. Moi, j'ai un peu plus de mal, mais c'est parce que voilà, je suis toujours une pressée. Et du coup, le die cut a monté. Cette tasse-là est magnifique. Avec la théière, là, c'est trop beau. Franchement, j'adore. 1, 2, 3, 4 et 5. Non. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ils sont numérotés, donc vous ne pouvez pas vous tromper. J'adore. Très joli. Ensuite, vous avez celui-ci avec la cheminée, qui est canon. Et le fauteuil. Donc là, vous voyez, vous avez le rappel du tampon. Le rappel du tampon, il est là. Parce que le tampon et le die-cut fauteuil, c'est le même. Donc, vraiment trop beau. En bleu, comme ça, ça sort un peu hein, de l'ordinaire. J'aime beaucoup. Je suis en train de réfléchir justement à quelle couleur je vais faire mon sapin cette année. Du coup, le bleu se marie bien. C'est très joli pour Noël, le bleu. J'aime beaucoup. Très beau, très beau, très beau. Et toujours numéroté, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, ici, vous avez le chalet du tampon. C'est le chalet du tampon. Très joli, pareil, numéroté. Vous mettez de la mousse 3D. Donc, moi, je mets généralement, plus ça monte, plus ma mousse 3D est fine. C'est-à-dire que sur la première épaisseur, je vais mettre plus gros, moyen, plus petit. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai toujours trois sortes de mousse différentes. Celle-ci, elle est extrêmement fine. Celle-ci, elle est un peu moins fine. Et celle-ci, elle est épaisse. Et je pense que je dois avoir encore plus épais quelque part si j'en ai envie. Et du coup, ça fait très, très bien. Très, très bien la superposition. Ou alors, vous mettez tous les mêmes les mousses 3D. Mais après, ça, c'est un choix personnel. Voilà. Mais j'aime beaucoup. C'est très beau. Et le dernier, ici, vous retrouvez la botte de Noël qui est là. C'est super beau. Hein. Oh, franchement, oui, gâté, on est. Alors, ici, vous avez la cloche de Noël, la bougie de Noël et la botte de Noël qui est magnifique. Magnifique, magnifique. Je vais certainement en monter une en vidéo de die cut. Et je ferai certainement les autres hors vidéo que je mettrai dans une boîte pour mes créations de cartes. Parce qu'on va faire des cartes avec la collection qui est juste une tuerie en fait. Donc voilà. Donc j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt fan. Fan absolu. De ce style de franchement c'est une collection mais juste extraordinaire. Par contre il faut que j'aille me racheter les pochettes chez Action, donc comme je dois bouger dans la zone commerciale cet après-midi, je vais aller chez Action me chercher les pochettes pour les ranger, pour ranger mes collections, parce que mes collections de Steph sont dans des pochettes juste derrière moi, comme ça je sais où elles se trouvent et je peux scraper ces produits tranquillement. Et ici, hors collection, donc Berry's Beauties. Je ne suis pas sûre qu'on n'ait pas eu ça. Ça me parle un petit peu, mais je ne saurais pas vous dire. Je sais qu'elles sont juste derrière mes collections, mais je ne vais pas tout sortir pour chercher. Mais franchement, on s'en fiche en fait, parce que les images sont juste extraordinaires. Regardez-moi cette lune avec les sapins et les étoiles. C'est une beauté, mais sans nom, quoi. C'est magnifique. Celles avec le cerf sont trop belles. Le sapin, là, j'adore. Celui-ci, j'adore. Ça aussi, j'adore. C'est très... ouais, c'est poétique, on va dire. Après, c'est Noël, donc Noël, ça reste poétique. Hein. Mais franchement, je suis plutôt fan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà, voilà, voilà les derniers papiers que Stéphanie m'a envoyés. Je ne sais pas si je vais la mettre demain, donc mercredi, ou si je vais vous la mettre samedi. Je pense que je vais vous la mettre samedi. mais
Et puis entre temps, je serai après d'autres collections qu'elle m'a envoyées. Mais franchement, je suis plutôt fan. J'adore. J'adore. Donc voilà. Donc on en est là. Donc les tampons, les albums papier, les die cuts, le ciseau, les calendriers et les doubles faces. Je crois qu'on est bon. Je crois que j'ai tout. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et franchement, merci Steph. Merci encore une fois de ta confiance. Merci merci d'être de plus en plus nombreuses également sur ma chaîne. Je tiens à vous remercier. J'ai été pas mal absente et vous ne m'avez pas abandonnée. Alors ça, par contre, je tiens vraiment, vraiment, vraiment à vous remercier pour ça. On approche des 5000. Donc, je suis plutôt super contente. Voilà. Et voilà, voilà. Donc, petit rappel, 10% sur le site de Steph avec mon code promo. Hors calendrier d'avant, bien sûr. Le calendrier d'avant n'est pas soumis, ne peut pas bénéficier de mon code promo. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique, vous ne serez pas déçus. Petit prix, beau produit. Donc, profitez-en. Franchement, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ça ne vous engage à rien. Voilà, voilà. Je vais vous reprendre un petit peu sur ma tête. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, voilà, vous voyez, je vais peut-être un peu plus me montrer en caméra, même si par moment, je n'aurais peut-être pas envie. Mais là, j'avais vraiment envie de vous montrer un peu ma tête, même si j'ai pas trop bonne mine, je trouve. Encore que ça va. Par rapport à ce qui se passe, je trouve que ça va quand même. J'ai presque fini de ranger ma strapon, donc vous voyez, je vous disais, hop là, j'arrive pas à me truc. Là, c'est tous les papiers de la collection de Steph qui sont là dans des pochettes. Donc là, il faut que j'aille racheter des pochettes pour ranger celle-ci. Ici, vous avez mes tampons de chez Stampin' Up. Vous avez pas mal de choses. Mais bon, on continue à ranger, faire du tri. Là, c'est tout un truc que je dois mettre sur Vinted. J'ai plein de choses à mettre sur Vinted. C'est en carton, faut que je le fasse. Faut que je trouve 5 minutes pour le faire. Et puis voilà. Donc, écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère que la présentation. Je fais des bêtises. La présentation de la nouvelle collection de chez Steph vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous et des autres. Et des vôtres. Allez, bye bye.